Sazak. Tiens. C'est à cause de la médiathèque. Ah mais bon. Il aurait pas dû faire ça. On l'avait prévenu. Ouais mais maintenant j'ai mal au dos et tout. Le problème c'est qu'on sera tous dans la merde là. Comment on va faire? On l'avait prévenu de toute façon Zach. Tu rigolais. Maintenant t'es obligé de t'excuser. Excuse-toi pour ce que t'as fait. Mais on est tous pas. Dans la merde. Non, je m'excuse pas moi. À cause de toi on est tous dans la merde. Je m'excuse pas, c'est tout. On est tous dans la merde. Est-ce que t'es conscient de ce que t'as fait? Il faudra qu'on le rembourse, Andy. Tout ça pour être sauvette. Pour te faire plaisir, maintenant on est tous. Excuse-toi, Zach. C'est obligé, tu dois t'excuser, t'as pas le choix. Non, je m'excuse pas, moi. Pourquoi pas. Tu t'excuses pas? Non. Vraiment. T'es obligé de t'excuser, c'est Zach. Pas fini ce qu'ils t'ont fait. Quelqu'un m'a poussé dans l'ascenseur, après ils m'ont chopé. Ils m'ont mis des coups de patate. C'est moi qui t'ai poussé, j'avais raison de te pousser. Excuse-toi. J'avais raison de te pousser. Je m'excuse pas, c'est tout. Non, fermez vos gueules. Alors les gars, cette journée. Tranquille. Mais super. Pas trop aussi. Quoi? Je suis viré de coup. Ah aussi. Merde. Toi aussi? Ouais. Attends qu'ils vont recevoir un papier, frère. Attends. Tu veux quel papier? Que tu veux quoi, toi? Tu veux pas aller quoi? Tu parles. Viré, ils envoient une lettre normalement. Hors de code et tout. Ouais, mais maintenant ils envoient par internet. Et oui. Qu'est-ce que c'est que vous avez fait? J'ai tiré la haine comme sur la tête. C'est toi? Franchement, ici, dans la tête. Attends, lui a un crayon là. Non, mais lui c'est encore pire, mais le fou. Ah, lui il est fin. Il était bien taillé au moins. Bien sûr. Il est taillé. Non, mais lui surtout, la gomme où tu l'as visé? Dans la tête. Oh mais comme un viseur, hein, moi aussi. Et t'as eu quoi, frère? Rien, monsieur, il virait de cours, c'est tout. Vas-y. Mais pourquoi vous avez fait ça en face? Je sais pas, elle m'a énervé la prof, elle fait trop la folle. Gratuit, et toi? Pareil, c'était fou. Franchement, vous êtes pas dans la même classe, hein. Mais comment ça, elle fait la folle? Attendez, les gars, comment ça, elle fait la folle? Pourquoi tu l'as devant? C'est vous, c'est obligé si vous avez fait un truc. Putain, il parlait. Ça fait 10 ans tu fais en cours là, tu veux. Ah, mais vous avez jeté un crayon. Toi, t'es pire, tu tapes le prof. Ah, mais ça c'était. Ouais, mais ça c'était avant, il y a 4 ans. Il y a 4 ans, c'était à l'époque ça. Alors que c'était à l'époque. Moi, j'ai pas cours dans les gars. Tu foutes? Allez, un foot, allez les gars. Les gars, je prends tri. Allez, Miguel, un foot. Moi, Miguel, déjà. Miguel, viens là. Vas-y, moi, je ramène. Vas-y, tape. Reviens là, sale gamin. Reviens. Si tu t'en relis. Ah, les gars, il y a Dri qui arrive. Ah, c'est son cousin. Attends, il y a Dri qui arrive. Ça va, sale gamin? Ah, il est parti, Miguel? Là-bas. Attends, moi j'observe. Qu'est-ce que tu fais? Il est au milieu, Andy, c'est le cousin là. Il passe de la drogue. C'est le petit qui le rend. C'est un chien. Il veut pas se faire choper quoi. Eh ouais. Comme un chien, c'est pas bien. Non, c'est là, on le dira à sa tante. On le dira à sa tante. Non, on dit pas. Non, lui dis pas. Ça sera tout seul. Lui dis pas, vas-y. Bon, je le dis quand même. Non, c'est son cousin qui va se passer. Non, ça craint. Non, craint. Je vais le frapper, mon chavo. Attends. Arrête. Fais rien pour l'instant. Non, ça sera tout seul. Ouais. C'est. Oh, les gars, il arrive. Ding. Allez. Ah, il est là. Les gars, il revient. Ah, qu'est-ce qui se passe? Oh, qu'est-ce qui se passe, mes gars? Il y a rien, les gars. Vas-y, dis. Ouais, on a vu quelque chose. Ouais, pro, il t'a tarté. Comme ça, c'est parce qu'il me dit bonjour comme ça, il rigole avec moi, c'est ouais, incroyable. Ouais, c'est ton cousin. Il t'a dit quoi? Il t'a dit quoi? Il t'a dit quoi? Il m'a rien dit, tu veux quoi, toi? Et c'est quoi qui t'a donné à la nana? Il m'a rien donné, vas-y, fouille-moi. C'est quoi ça, là? Vas-y, donne, devant, je fouille. Ça, c'est quoi, ça? C'est bon, il a rien. Tu vois, tu caches. En plus, tu caches pas. Tu les caches dans les cacahuètes, en plus. Oh, tu les caches dans des cacahuètes. Y'a rien dans mon pote, tu veux quoi? J'espère. Ouais, il ment pas, ce pote. Ah, tu fais un trafic, je dirais ta mère. Mais où est-ce qu'il est? Comment ça, ma mère? Je t'avais dit de pas faire ça, Zach. Tu nous as tous mis dans la merde. Tais-toi, s'il te plaît. Ouais, ils sont là. Wesh les gars, ça va les gars ou quoi? Ça. Jerry, il a un nouveau survêt lui? Ouais. C'est pourquoi il a un nouveau survêt? Tu l'as acheté ou c'est? Il nous a tous mis dans la merde. Ouais, mais pour sauver Miguel. Attends, pour sauver qui? Gunman. Et alors? T'as sauvé Gunman, mais tu nous as tous mis dans la merde. Et t'es content de ça? Là en plus, tu crois un sou.
Quoi, je t'ai sauvé. J'ai du business avec lui, c'est toi. Bah oui, et alors? Et alors, imagine, il y a le flic, imagine, il y a le flic. Tu t'es bien fait niquer. T'as quoi la police, c'est votre dire. Coucou. Tais-toi, Zach, tais-toi, tu nous as mis dans la merde. Et alors? Tout ça pour des sous. Tais-toi, déjà, tu me gères de l'ascenseur. J'ai raison de jeter. Attends, tu parles de fierté. De toute façon, on était dans la merde. De toute façon, on est dans la merde, ça sert à quoi qu'il se fasse défoncer. S'il aurait pas fait ça, on aurait pas été dans la merde. Mon massacre le gars, mon massacre la chance. T'as choisi de nous trahir, et ben j'ai bien fait de te pousser. Vas-y. Quoi, trahir qui? Moi j'ai jamais trahi personne. Tu nous as trahi, Zach. Miguel, je t'ai trahi un jour. Et toi, d'où t'es allé le carotte? Toi aussi, tu nous as mis dans la merde. T'as pas de fierté, Zach. Franchement, je sais les gars, mais voilà. T'es dans notre groupe. Mais bon, t'as de la chance. Par quel groupe toi? Tu jettes tes potes en dehors de la sensation? J'ai raison. Pour moi, les gens qui font comme ça, c'est plus des potes. Pas du tout. Tu as tort. Fallait pas le jeter. Mais ouais, tu jettes pas les gens de l'ascenseur comme ça pour qu'ils se fassent défoncer, cramé. Tu veux... Je t'ai obligé. Obligé de quoi? Maintenant, on est dans la merde, t'es au même stade et... Toi, t'es perdu, toi. Mais maintenant, les gars, on s'est mis dans la merde. Faut trouver une solution. Trouver une solution. Trouver une solution, les gars, une solution. Et ouais. Tendre. Ouais, une solution. Attends, s'il te plaît, c'est quoi cette ville bagnole sur 16? Franchement, je sais pas ce qu'on fait. Oh, l'Afrique du Sud, l'Afrique du Sud. Une ville qui s'appelle Le Cap là-bas. J'aimerais trop visiter. Ou la Malaisie. Venez, on va à Bagnole 17. Putain, c'est le rigolo, lui. Attends, les gars, samedi. Bref, avant de parler la médiathèque, demain on est puni à la médiathèque. Voilà, c'est ça, je voulais vous parler. Les gars, ouais, à propos de la médiathèque, et demain. On devra aller ranger tous les livres. Moi aussi, j'ai mais de quoi c'est mieux ça ou la juge, s'il te plaît? À 8h, tu sais quoi, 8h? Les gars, franchement, moi, j'ai comme ça, là. C'est vrai que c'est pas bien, mais bon, on a fait des conneries, faut assumer. On va y aller. Ouais, mais c'est une classe, la meuf, je l'aime pas. Ouais, mais bon, quand même. C'est bon, on est 4, on va être ensemble, on va rigoler. J'aime pas les livres en plus. T'as pensé à quoi encore? Non, on va avoir plus de bêtises. C'est bon. Mais aussi, c'est normal, c'est bagnole. Il y a quoi à faire à bagnole. Il n'y a rien à faire. T'es obligé. Ouais, c'est vrai. Déjà, on galère. C'est pas un prétexte pour bagnole, il n'y a que des bagnoles. Voilà. Exactement. Oh, encore Timo. Oh, Timo. Ça, quand même, t'as dit. Ça va, le cousin? Pas la latine. Bref, les gars, moi je vais y aller. Tu vas? Non, reste. Je m'appelle. Je vais y aller, j'ai des trucs à faire et tout. Tu m'appelles, c'est bon. Ouais, t'inquiète, ce soir, Ah, bon, attends, c'est bon. Ah, tu le veux pas? Non, t'inquiète, je peux le garder. Ah, bah, prends le chip. Tranquille, t'es bien? Ça va, c'est bien. Alors? Ouais. Ça va quoi? Qu'est-ce que t'as à nous dire? Avec cette tête-là, on dirait t'as... Ouais, c'est quoi cette histoire avec Miguel, là? Ah ouais? Je vais t'expliquer, en fait, il y a son cousin. Andy. Il lui a passé un jour de paquet. Et dedans, c'était du shit. Et lui, comme il a des problèmes au collège, j'ai eu peur qu'il se fasse choper. Du coup, il a vendu à sa place. Voilà. Et toi, j'ai vendu à sa place. Je me suis acheté un nouveau survêt. Regarde. Attends, il est là aussi, mais. Et des nouveaux baskets. Ah, c'était beaucoup. Tu n'as pas rendu les sous, espèce de fou. Non, je n'ai pas rendu. Ça te fout. Oh là là. Il va te choper, il va dans la merde. Il va te choper. Mais non. Je suis intelligent pour ça. C'était intelligent, déjà tu prends des... Toujours on le croise, il connaît tes parents et tout ça. En plus... Non, mais oui... C'est bon... C'est comme ça la vie. On verra le futur. Non, mais t'inquiète pas, t'as fait le con là. Hein? T'as fait le con là. Je sais, mais... Voilà, mais c'était pour... Au cas où tu utilises là, monsieur. Bah oui, regarde, Miguel déjà, il a traité la prof hier. Jeté une gomme. Donc je parle encore qu'il se chope à cause du shit au collège avec la police. D'un côté t'as raison, mais maintenant c'est à cause de la merde. Alors que Miguel il n'aurait rien eu, tu vois. Mais c'est lui qui se met dans la merde. Pourquoi tu te mets dans la merde? Mais je vais pas me mettre dans les emmerdes, t'inquiète. Ouais, bon. Encore t'aurais rendu les sous. T'es con, t'allais les garder. Eh oui. Attends, là tu me fais rire, là. Je m'en fous. Attends, il va faire quoi? Il fait la carrière comme ça. Après il va faire peur, c'est bon. T'inquiète, c'est pas qu'il y a des grammes du shit ou quoi. Tu verras bien. Tu verras bien comment ça se passe. Quand on le croisera, quand tu le croiseras. Ouais, de toute façon, toi, t'es toujours là pour moi, tu m'as dit. Je suis dans combien? T'inquiète, moi je t'aime. Hein? Je suis dans combien? 150. Ça commence à faire une somme, ça. Ouais, je sais. Mais ouais, c'est pas 10 euros. C'est quoi? En tout cas, nous, on va quitter le groupe. Non. On va partir à vous êtes sérieux? Vous êtes deux gars là? Putain, tu vas faire ça? Je
fait niquer ta vie. Putain, mais avec lui là-bas là. Avec lui là-bas. Fais ce qu'on fait, fais ce qu'on fait. Lui qui m'a niqué dans la médiathèque. Ah, t'as vu comme il te traite quand vous allez partir avec ce gars, vous êtes sérieux? Yala, rien. Quand t'es parti avec ce gars, t'as pas vu de toi, Miguel? Yala, on s'en fout toi. Les gars, on va pas les retirer, ils font ce qu'ils veulent. Si vous voulez, qu'est-ce que tu veux? Casse-toi, pas quoi? Si vous voulez partir, cassez-vous. Regarde les années qui disent. C'est bon, on va retenir. Charles Goldman. Tim, rattrape le petit par contre. Vas-y. Propos sur le bonheur de Alain. Tu l'as lu celui-là? Non, j'ai pas lu. Franchement, il a l'air pas mal. Ah, bon. Ah oui, on fait attendre. Ouais. Fallait que je te parle d'un sujet. Zach, hier, il a fait quoi? Par ailleurs, il y a le cousin Miguel, il est venu. Ouais. Il vient passer la drogue, ouais. La vendre comme d'hab. Mais ce que Zach lui a pris à Miguel, il a revendu. Et le pire, c'est qu'il garde les sous. Mais... C'est Zach qui l'a revendu? Ouais, mais il va garder les sous. T'es pas sérieux? Je dirais l'a revendu, il a tout gardé. Faut faire quelque chose. Bah faut lui dire, bon. Il a déjà fait. Il fallait pas qu'il fasse ça. Tu vas te faire défoncer, cramé. Non, non, t'es. S'il te voit. Non, mais je vais essayer de l'esquiver, tu vois. Le monde est pas... petit. Hein. Je sais. Faut que j'esquive tout ça. Faut pas qu'il me voit. Moi je pense que c'est un mauvais plan, cousin. Je pense que t'es dans la merde. Je pense qu'il vaudrait mieux que tu ailles lui rendre ses sous. T'arrêtes tes conneries. Non, 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 je vais pas lui rendre. Ouais. Fais comme tu veux, moi je te dis juste ça. Parce que il y en a plein, ils sont trouvés dans la merde à cause d'histoires ouais, comme ça. Mais de toute façon, s'il arrive, tu vas me défendre, non? T'es mon pote. Ouais, moi je saute, moi, s'il y a un problème. Mais s'il arrive avec deux mecs, trois mecs, si c'est une armoire, je connais pas, moi, ce type. Je connais pas. Et s'il est déterminé, s'il a un flingue sur lui ou des délires comme ça, hein, mon pote, tu sais pas. Ah non, je vais pas te mettre dedans, c'est bon, t'inquiète. Un problème, je saute. Non, mais t'inquiète, t'es mon pote, y a un problème, je saute. Mais voilà, je te dis, ils m'ont pas dans la merde pour des histoires comme ça. C'est tout. Désolé, frère. Pas de soucis, mais bon, fais gaffe, quand même. C'était trop bien, il y avait des trucs... Franchement, j'espère vivre un jour là-bas. Quoi. Putain, faudra qu'on s'organise un voyage à deux. Ouais, ce serait trop bien. Pourquoi? Franchement, je voulais visiter plein d'autres choses, mais bon, tu sais, j'ai pas trop eu le temps. Pas le temps et tout. On entend plus Zach et Tim. Ils sont où? Putain, c'est cousin Miguel. C'est quoi, on va chercher Zach? Non, non, t'en droit pas chercher. C'est lui qui a voulu chercher ça, ben voilà. Ah, mais c'est Zach. Non, non, hors de question que j'aille le chercher, tendre. Hors de question. Il est dans la merde, c'est pas mon affaire. Hé, hey, vite, vite, vite. Thank you.
rigole pas, moi. Moi, je rigole. La tête de ma mère, tu vas partir avec lui. C'est ce qui va t'arriver. En 2 ans, tu quittes l'école. Je m'en fous de l'école. Tu t'en fous maintenant, mais plus tard, tu t'en foutras pas. Dans 2 ans, tu quittes l'école. Dans 5 ans, tu vends du shit. Dans 10 ans, tu vas vouloir te réinsérer. Qu'est-ce qui va se passer? Tu n'auras jamais travaillé. Tu n'auras jamais rien fait. Tu n'auras pas d'expérience. Tu serais peut-être en prison. Tu auras peut-être été en prison. Écoute. T'imagines, ça fout? Ah ouais, écoute-moi avec tes grandes oreilles. C'est ma mère. Tu veux faire quoi? Tu veux partir avec eux et niquer ta vie ou quoi? Bah oui, c'est... Oui? Non, c'est pas, j'arrête. Tu vas faire des sous? Ça? Faire des sous avec eux? Oui. Et ouais, tu vas prendre... Espèce de con, va. Espèce de con. Tu vas faire 100 euros par semaine. Et en plus de ça, avec le risque de pouvoir rentrer en prison... Pense à ta mère. Ouais, c'est vrai. Alors que tu peux faire 2000 balles hein, rien qu'en travaillant par mois. Tu occupes tes journées. Tu te mets bien. T'achètes ce que tu veux. Là, tu veux partir avec ces cons là, surtout que lui, avec lui mon pote, l'argent que tu vas te faire, il sera à lui, il sera pas à toi. Réfléchis bien Amine. Ouais. Et reste là toi, reste là. Tu peux partir. Réfléchis bien, réfléchis bien. Mais on t'aime bien, on t'aimerait pas, on te dirait pas ça. Ouais. Et lui, ils vont le comprendre. Mais ce sera trop tard mon pote. Toi si tu comprends maintenant, tu es bien. Toi mon pote, tu seras bien. Pense à ton avenir. Pense à ton avenir, ami. Pense à toi. Sois acteur de ta vie et fume pas ta vie, fume pas ta liberté. Tu nous disais tout le temps, tu vas te dire.